اللهم صل على محمد صلي عليه وصلى لبرايا وصلى محمد رسول الله خيرا اللهم صل على محمد صلى الله عليه actuellement à quoi donc direction la mairie pour les Miss Excellence 2022 première dauphine, deuxième dauphine et la Miss Excellence ici à ma droite. Donc ici, la mairie de Akua, d'accord, l'accueil sera ici à l'entrée. Les amis, on partage le live, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Sur YouTube les amis, le lien est épinglé sur le live, regardez en haut à gauche.
Monsieur Akua ici présent, l'accueil des Miss Excellence. Très bel accueil ici pour les Miss Excellence. Voyez-moi, Mulam, Dine et Mouster. La Souzina Waster. Allez, on partage les amis. N'oubliez pas la chaîne YouTube qui est ici en haut à gauche sur le live. C'est épinglé là le lien. Un très bel accueil de Miss Excellence. Première dauphine, deuxième dauphine et la Miss Excellence. Excellence, elle est d'origine de... Donc la Miss Excellence 2022, la nouvelle, ici présente, d'origine de Akua. Yeah.
2022. Je suis présent. J'ai pas son nom. Monsieur le maire de Akwa. Voici le bébé qui flippe.
Oui. Bonjour à quoi, vous allez bien? Bonjour à tout le monde. C'est un ravi d'aujourd'hui d'accueillir le comité de Miss Excellence. Ils sont un bon monde aujourd'hui. Il y a la directrice, la présidente et il y a le manager qui sont là aujourd'hui présents. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur Aqua. J'espère que votre accueil se passe super bien. En tout cas, je pense que à Aqua, tout le monde est très bien accueilli. Donc, merci à vous. Aujourd'hui, on a aussi du beau monde du côté des élus, en la présence de monsieur le maire. Merci de l'applaudir. On a aussi la présence d'une très grande personne ici sur Mayotte, Zouria Mahad, la vice-présidente du départemental. Avec eux, tous les élus de la mairie, merci de les applaudir, ils ont fait un travail énorme. Du coup, j'espère que votre journée se passe bien. On a eu la chance d'avoir aujourd'hui les Mahoraises près de nous. C'est de très belles danseuses, donc regardez-les, profitez, prenez des photos, parce que dans pas longtemps, ça sera des stars. On va commencer à prendre des photos et applaudissez-les. Du coup, aujourd'hui, on reçoit notre deuxième dauphine Miss Excellence, Ousseini Daya. Elle va tout droit chez nous, on est super ravis de la recevoir. C'est un exemple pour tout le monde. Merci de l'applaudir. Merci. Avec ça, on reçoit la Miss Excellence qui est toute belle, elle vient tout droit de Porwani. Elle va monter après pour lâcher un petit kibushi parce qu'elle sait parler aussi. Et avec elle, il y a la première dauphine. Je la vois pas. Ah, elle est là, la première dauphine. Du coup, merci de l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Après, pour commencer, on va commencer par un discours du maire. Vous allez tenir très à cœur cet événement. Car pour nous, ça nous tient vraiment à cœur qu'aujourd'hui, une jeune dame d'Aqua puisse arriver deuxième dauphine du comité Miss Excellence. Ça ne s'est jamais passé auparavant. Du coup, on est vraiment super heureux. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le maire, il est là pour envoyer un petit discours, parler de ce qu'aujourd'hui, ça nous emmène à nous de représenter Aqua au niveau du comité Miss Excellence pour la jeunesse, pour toutes les personnes qui sont là, pour vous montrer que tout est possible dans la vie si vous mettez un peu de travail, un peu de détermination, un peu d'envie, tout est possible. Du coup, monsieur le maire, on vous attend. Merci. Madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Zouria, chers collègues, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs en vos qualités et grades, mesdames et messieurs, madame la présidente du comité Miss Excellence,
Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe municipale et de toute la population de notre commune à nos très chères Miss Excellence. Je profite également de cette occasion pour vous féliciter, mais vraiment chaleureusement, pour votre réussite. Madame la Miss Excellence, Madame la Première Dauphine, Madame, avec une mention particulière, Madame la Deuxième Dauphine, qui est ici sur ces terres. Nous savons que c'est un exercice qui n'est pas commode. C'est un exercice qui demande beaucoup de courage. Un exercice qui exige beaucoup d'investissement et du travail personnel. Nous savons aussi, au-delà de vos réussites, que cet exercice vous a permis d'acquérir de l'expérience personnelle et nécessaire pour forger sa personne et affronter le cours de la vie. Je voudrais alors souligner l'importance toute particulière que notre commune apporte à l'institution Miss Excellence pour plusieurs raisons. La première, parce qu'elle met en valeur l'élégance de la femme mahoraise avec ce regard glamour qu'elle savent lancer discrètement pour attirer. Avec cet habit typique au monde, le salouva et leur manière de le porter, le masque de beauté, et j'en passe. Ce charme constitue une image vectrice de ce que l'on peut appeler la mahoricité. Et cela perpétue une charme féminin mahorais de grande classe. Elle met ensuite en avant l'intelligence de la femme mahoraise. Et cette intelligence amènera celle-ci à provoquer et faire connaître nos richesses culturelles. Je ne savais pas qu'on pouvait danser le Moruta Shenge avec une aussi grande modernité. Et vous savez aussi ô combien nos richesses culturelles sont importantes pour notre commune, car nous souhaitons en faire un de nos moteurs d'attractivité, pour le développement du tourisme sur notre territoire. Et croyez-moi, c'est ici, chez nous, que se pratiquent ces activités culturelles avec la plus grande intensité et beauté. Et pour conclure, mesdames les Miss, nous aurons besoin de vous pour nos actions en termes d'exemplarité. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci à vous, monsieur le maire, de ce discours. C'est un discours moi, très chaleureux. J'espère que vous avez bien écouté les conseils du maire, parce que c'est, comme il disait, c'est l'avenir. On est aujourd'hui tous là pour notre avenir, pour l'avenir de Mayotte, pour l'avenir de notre village surtout. Donc merci encore à monsieur le maire de ce discours. Et du coup, sans moins attendre, on a aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, la vice-présidente qui est avec nous aujourd'hui. Ça nous tenait très à cœur, elle a contribué à tout ce qui s'est passé par rapport à Ousseini Daya aujourd'hui sur la quoi et pendant l'élection. Donc ça m'était vraiment à cœur d'être là aujourd'hui pour être avec la jeunesse et avec le comité des sports comme il est toujours. Du coup, ça m'a tient à cœur de monter pour parler un petit peu et raconter un peu. Non, monsieur le maire, je n'ai pas oublié mon discours, mais je demande à ma future miss, une future miss de m'amener mon discours, s'il te plaît.
Merci. Monsieur le maire, cher Mali, mesdames et messieurs les élus municipaux, monsieur le maire, messieurs les adjoints au maire qui sont ici, madame la vice-présidente du comité, Miss Excellence Mayotte, chère Nemati, ma présidente, mes chers Miss, la Miss et Séléphine, chers invités, en vos grades et qualités respectives, mesdames et messieurs. Comme notre animateur l'a si bien dit tout à l'heure, je n'aurai la paix pour rien au monde, ce moment, ou presque, car quand on est élu d'un territoire, c'est justement pour ce genre de moment qu'on vibre, qu'on aime se retrouver entre nous, pour un moment convivial, de plaisir partagé. C'est le sens d'un véritable accueil populaire. Encore bravo à ces jeunes qui ont organisé ce petit moment en collaboration avec la mairie. Je vais tout d'abord féliciter notre chère Madame Myriam. Bravo. Bravo pour cette félicité. Chère Hidaya Mousséna, deuxième dauphine de Miss Excellence, merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui, dans cette ville qui nous est chère, qui nous a suivis avec passion, avec ferveur, le dénouement du concours de Miss Excellence Mayotte. Je souhaite également remercier les membres du comité Miss Excellence, pardon, d'être parmi nous ici aujourd'hui. J'en ai vu quelques-unes, la directrice. Et d'autres membres de Miss Excellence, je ne vais pas en citer pour ne pas frustrer ceux que je ne vais pas pouvoir citer. Et saluer la population qui nous accueille, qui vous accueille aujourd'hui avec les honneurs dus à votre rang, comme on dit parfois. Je suis très fière d'être aujourd'hui ici pour vous féliciter. N'ayant pas pu être présente à l'élection de Sata, et je suis encore désolée. Et je souhaite désormais que je sois présente alors que tout le cœur y était, je vous assure. Qui s'est déroulé en même temps que le concert des voix des Outre-mer, qui est aussi un événement incontournable pour notre île. Ma joie est donc d'autant plus grande, ma chère Hidaya, ma fille, de vous accueillir chez vous aujourd'hui et de fêter notre belle place de deuxième dauphine. Dans notre cœur, vous êtes la vraie gagnante. Désolée, Myriam, mais aujourd'hui, on se permet. Sans oublier toutes les candidates qui étaient aussi belles, qui avaient aussi leur place, mais c'est le jeu. Donc c'est Myriam Amada qui a gagné et encore bravo. Bravo de le représenter notre pays. Un dernier mot pour dire combien j'apprécie de voir cette jeunesse, franchement. Vous avez 18 ans qui gagnent, qui portent haut les couleurs de Mayotte. Vous êtes pour un an maintenant ambassadrice de notre île, notre beau canton et du Nord, bien sûr. De cela, je vous remercie encore en vous renouvelant mes félicitations. Merci, monsieur le président. Jean-Chantou Vlankibouchi, Manaske Tantani Vlankibouchi, Mistika Vlankibouchi, deuxième documentaire Vlankibouchi, Samahani, président de la Jambouille, Yanjaï Vlankibouchi. Marahaba, Miss Excellence, Marahaba, Mera, Marahaba, Rosa Zaniakua, Nanamchikiade, Atanyanti, Atika Navi, Etu, Aviku Feneshea, Amizankatika, Nahosra Atarati, Marahaba, Buga, Marahaba, Ali, Marahaba, Ekipu Narodjabi, Nanamchikiade, Nanti, Atika, Avetu, Aviku Feneshea, Rizankatika, Rizankatika, Tuzokitika.
Nyanti Action Plaisimère Amba Élection Miss Zura Hamouhimu Rokula Olumambayeu Roholamba ma katajibi inu cursus ndeu CVNDEU Amara Tondoyo Karamo de Lingurani Mera Beni Rora Hamouhimu Roa Vianta Vianta Olu Roa Vianta Yitzmane Musuolo Donc Zengra Hamouhimu Anima Chambina Dama Donc Kazami Singuramba Zaut Madeu Auzat Tissi Tissi Inu Bote Tissi Asaranga de Hau Kula Olu Miss Class Nazi Donc pour la zone viable, ici 1m60, combien madame 68. 1m68, Ismaël Vajtiadi, Isinkwandika, Ata Iziazuka, Ratsara, et tout comme moi, Bint. Maraba, Ntkajabi, Maraba. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui en compagnie de ces deux grandes personnes de notre village. Aujourd'hui, comme vous vous en dites, aujourd'hui, Mayotte, c'est énormément de culture, c'est énormément de valeur, c'est énormément de bien-faire qu'on veut montrer aux gens par-dessus tout ce qui se passe par rapport au Miss, malgré que c'est énormément, comme vous pouvez le voir, tout le temps, ils sont là pour montrer leur beauté, mais derrière tout ça, il n'y a pas que la beauté qui compte, tout simplement. C'est tout ce qui, toutes les valeurs qu'ils rejettent, toutes les valeurs qu'ils dégagent, toutes les valeurs qu'ils essayent de montrer, les cultures, le thème Zaman Talou, qui représente aussi beaucoup un peu notre village, parce qu'on parle d'ici Shibushi. C'est tout ça que nous, on apprécie, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a du monde, parce que c'est aujourd'hui Asya Ousseini qui nous montre la voie, aujourd'hui sera quoi. Je tiens à la remercier. Du coup, on veut que vous montez ici les trois candidats. Namande Joanne. DJ, un peu de musique, s'il vous plaît. Raka, le DJ, il dort. Joalo Sahalim Toinhar. Voilà. DJ Soman DJ, en discours en Kaminera, Misra Dingaben Karamu Himu, Malamikati Rayu, donc Nyanti Mysticare Tutsintunatetu, Nyanti en l'occurrence Hidaya, Zamile Kufereshea, Mamanin Kababani, Namensika Luluti, Model Vlaindo, Ratsarati. Donc, je suis en train de me faire un moment de babari, de carizo qui me jappe, de l'anjitia de ta, de l'anti, de la tita de cour. Maraba, produisez-le. Alors, mesdames et messieurs, nous avons souhaité, au nom de la commune, offrir un petit cadeau à nos chers miss. Donc je vais commencer par appeler la Miss Excellence, dont j'oublie toujours le nom, merci de l'appeler, s'il te plaît. Myriam Amada. Vous pouvez venir s'il vous plaît un petit cadeau de bienvenue. C'est pas grand chose, mais juste pour honorer, vous honorer, on vous a proposé quelques cadeaux. Et ensuite, madame la première dauphine, de la même manière, nous avons proposé pour, au nom de la commune, honorer nos miss, un petit cadeau. Voilà, merci beaucoup. Et
Enfin, notre Miss bien-aimée, celle qui est sur ces terres aujourd'hui, à Aqua. Et donc, nous avons parallèlement proposé un petit cadeau pour elle, qui vient du fond du cœur, pour toute l'équipe municipale et toute la commune d'Aqua aussi, qui est fière d'elle, de son parcours jusqu'ici. Merci d'applaudir. Merci pour cette image, cette bonne image. Merci pour cette bonne image que vous projetez pour votre commune. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Terminé les amis. Un très beau buffet ici. Bon. Alors les amis, vos conclusions pour le monsieur le maire. Vos conclusions pour monsieur le maire. Ah, j'ai oublié le nom de la Miss Excellence, mais bon, c'est pas grave, hein. Hey, c'est un champion, lui. C'est un champion, hein. Alors, vos conclusions, les amis. Cette image que vous avez vue pour le monsieur le maire, la mise en valeur des Miss Excellence. Chizoué, monsieur le maire, bon, excusez-le, parce que lui, c'est pas parler français, lui pas comprendre le texte, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est pas grave, on va comprendre tout ça. Bon, franchement, félicitations à la première dauphine, deuxième dauphine et la Miss Excellence, félicitations, hein, ça. C'est un très bon point pour représenter Mayotte à l'étranger, hein, parce que il y a la participation en France aussi. Donc là, c'est à Mayotte. Donc il y a la participation aussi en France, en territoire national. Donc c'est très important de soutenir, d'encourager nos sœurs. Hein, c'est nos sœurs. C'est l'image de l'île aussi qui est diffusée. C'est très important de prendre ça au sérieux. Voilà. Bon, on va pas être très long, les amis. Merci, je les encourage, hein. Merci à vous, merci pour votre soutien. On se retrouve à plus tard pour des nouvelles images, des immersions aussi. Peut-être mardi, une petite immersion dans un village dans le sud. Voilà, je sais pas, on verra bien. Moi, j'ai failli rigoler, hein, pour monsieur le maire, parce que bon, voilà. Quand on a un texte, on le réétudie, et on relit le texte, on appréhende l'erreur, d'accord. Et puis surtout l'aberration, c'est le nom, d'accord. C'est le nom, ça reste très important qu'ils sachent le nom de la Miss Excellence. Mais voilà, qu'ils se posent pas des questions. Putain, c'est qui, je sais plus. Ça y est. Donc voilà, c'est juste ces petits trois points, et puis voilà, bon, dans l'ensemble, ça va.
Ça va dans l'ensemble, hein. On ne va pas se plaindre dans l'ensemble, c'est bon. Voilà, je ne reste pas sur les erreurs, la lecture, etc., etc. Voilà, car on fait des fautes, hein, tout le monde fait des fautes, mais bon, lui, je vois qu'il n'a pas fait l'effort, hein, même le prénom ou le nom de la Miss Excellence, ben voilà. Aucune idée, je ne sais, sais pas vraiment qui c'est. Hein. Pourtant, sur l'île, tout le monde connaît. Voilà, on connaît. Donc, monsieur le maire, je suis désolé. C'est par là que je peux dire que voilà, c'est une erreur. Voilà, il fallait demander avant de monter sur scène et puis dire c'est quoi déjà ton nom. Bon, bref, on reste pas là-dessus, hein. Voilà, voilà. Je n'insulte pas, monsieur le maire. Je n'insulte pas, mais surtout l'erreur est flagrante, d'accord. C'est pas une insulte, c'est une remarque à l'avenir qui peut faire évoluer une personne. C'est appréhender, d'accord, reviser le texte, revoir, poser des questions, d'accord. Voilà, il y a des gens qui sont là, des animateurs qui connaissent les noms, etc., etc., pour éviter de faire des choses comme ça. Enfin, pour moi, s'il vous plaît. Je prends l'exemple de mes chefs militaires qui montent sur scène pour lire des textes, etc., devant beaucoup de personnes. Ils revisent, ils revoient les erreurs, les endroits où ils peuvent être coincés. Voilà, c'est comme ça, hein. On revoit les choses, on pose des questions pour pouvoir éviter des erreurs comme ça, flagrants, devant tout le monde. Voilà, c'est pas une insulte, c'est une petite remarque. Voilà. Ne le prenez pas comme une insulte. Une insulte, c'est quelque chose d'autre. Hein. C'est des mots. Voilà, il faut bien qualifier. Hein. Faut bien qualifier vos commentaires. Hein. Ici, c'est pas une insulte. Ce sont des remarques, comme certaines le font ici, par commentaire. Voilà, que monsieur le maire, voilà, ceci, cela, voilà. Moi, je dis tout simplement. Ce qui peut améliorer, hein, par la suite. Et Biguet, par la suite. Bon, je vous laisse parce que j'ai pas de taxi pour rentrer. Je vous laisse. Bon courage, on se retrouvera plus tard. Merci, bisous.